Donc nous allons terminer cette série de vidéos, de 4 vidéos des jeux de labyrinthe 3D existant sur les Thomson par Minotaur, qui est encore une fois un hit de Loriciel, qui est sorti en 1985 pour MO5 et TO7, et adapté par la suite en 2012 sur disquette TO8. Donc à taper sur 5. Minotaur, c'est. Alors donc vous avez l'explication là. Ça a été adapté en 2012 par Guionnet sur D. Guionnet sur Thomson TO8. Donc on est à bord d'un vaisseau spatial dans un labyrinthe en 3D, en représentation fil de fer, vous verrez, c'est très rapide. Et vous devez abattre les soucoupes ennemies qui patrouillent et fuient à votre approche. Mais attention, si celles-ci sont inoffensives, le temps vous est compté et les munitions s'épuisent vite. Donc c'est en visant les caisses d'armement dissimulées en deux endroits du labyrinthe que vous rechargerez vos canons. Tous les 1000 points et à chaque changement de tableau, vous serez également ravitaillé et bénéficiez de surcroît d'un délai supplémentaire. Donc il faut mieux abattre des vaisseaux pour avoir des munitions supplémentaires ou trouver les munitions. Donc en fait, les contrôles se font au clavier et aux manettes. Alors si vous avez l'émulateur, je vous conseille d'utiliser au niveau du clavier PC les touches fléchées et la touche EX. Donc c'est déjà parti là. Donc voilà, EX. Donc EX pour accélérer et ralentir. Donc là c'est parti. On voit que c'est un labyrinthe 3D mais en fil de fer et ça peut être très rapide en fait. Est-ce que je vais voir? Voilà. Et vous avez le plan du labyrinthe qui apparaît à droite là. Enfin en bas à gauche plutôt. Et donc en fait le jeu peut être très rapide si j'accélère au maximum. Voilà, zut. Là, je suis à un maximum de l'accélération en fait. Donc, c'est sur un Thomson un Thomson à 1 MHz. Hein. Zut. Je suis au maximum de la vitesse. Mais vous voyez, c'est très rapide. Hein. Ah, j'ai rechargé les munitions. Non, même pas. Comment je fais pour recharger les munitions? Ah mince, comment je fais pour recharger les munitions? J'ai rechargé les munitions là. Hop là. Donc j'accélère. Hop. Je sais même pas où je suis. Si je dois aller par là. Hop. Faut que j'aille plutôt par là. On a pas le plan du labyrinthe qui apparaît. Mais mince. J'allais par là. Ah mince, je l'ai pas eu lui. Zut. Ah zut. Ah zut. Donc je l'ai eu. On a un temps de partie au départ. Oui, il reste plus que 29 secondes. Le jeu en fil de fer est très très rapide. Vous voyez, s'il y a un moteur comme ça qui pouvait reproduire un labyrinthe avec des couleurs, sur Thomson, ce serait parfait. Mais Loriciel, comme d'habitude, ils sont très top au niveau de tout ce qui est technologique sur Thomson. Ils ont fait des super jeux en fait. Donc voilà, je suis arrivé à un score de 880. Donc je suis pas dans le mini premier. Je vais refaire une partie pour vous montrer un peu. Donc je me dirige avec les touches fléchées et la touche E pour accélérer et la touche. Et la touche X pour ralentir. J'espère que j'en dégomme plusieurs là. Faut que j'en dégomme au moins pour 1000 points parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Ah mince. En fait, il y a deux types de vaisseaux et les vaisseaux qui sont verticaux, enfin qui sont en hauteur, faut pas les dégommer apparemment. Ah zut, j'ai fait une erreur. Faut que j'en dégomme d'autres. Où je suis là, attends, hop.
C'est 810 seulement, putain, c'est dingue ça. Bon, est-ce que je vais en avoir d'autres des vaisseaux là? Je sais même pas où ils sont. Hop. Il reste 1 minute 11, faut que j'arrive à les dégommer. Hein. Si j'arrive pas à dégommer, ça va pas le faire. Je sais même pas où je suis. Bon, alors faut que je fasse demi-tour. Hop. Donc le jeu est faisable, hein. Après quelques minutes d'entraînement, on peut arriver à terminer chaque niveau. Le but c'est quand même de... Bon, ce qui est dommage c'est qu'au niveau du plan, on a pas le plan du labyrinthe complet. On a juste les cases dans lesquelles on se trouve. Je sais pas où je peux aller là pour les trouver. Il me reste plus que 19 secondes pour les dégommer tous. Il me reste 6 ennemis à dégommer mais je sais pas où ils sont. En fait, faut suivre à la fois le... Zut, j'aurais dû faire demi-tour. Hop. Voilà. Donc, j'ai pas fait mieux, je fais que 860. Donc, voilà, c'était Minotaur 3D. Le meilleur des jeux de labyrinthe 3D qui existe sur Thomson. Je vous donne les détails. Enfin, les liens vers le site web. Vous pouvez le télécharger sur Emulateur Thomson ou sur votre Thomson. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les jeux vidéo Thomson.